Bonjour à tous, bienvenue sur French Cool TV pour notre vidéo quotidienne. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo très intéressante pour les personnes qui veulent préparer l'examen officiel de français DELF A1. Nous vous proposons un exemple de production orale avec un candidat et un évaluateur exactement dans les mêmes conditions que l'examen. Alors, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour une meilleure compréhension. La production orale du DELF A1 se déroule en trois parties. La première partie, l'examinateur va vous poser des questions simples. Vous devez répondre simplement, avec, si possible, un sujet et un verbe, en faisant des phrases. Pour la deuxième partie de l'examen, le candidat pose des questions à l'évaluateur. Il doit montrer à l'évaluateur qu'il comprend les réponses à ses questions. Et enfin, dans la troisième partie, c'est un dialogue, une interaction imaginée entre le candidat et l'évaluateur. Pour la deuxième et la troisième partie de l'examen, le candidat dispose de 10 minutes de préparation avant le début de l'examen. Donc, le jour de l'examen, si vous êtes un candidat, la première chose que vous allez faire va être de choisir les thèmes pour la deuxième et la troisième partie et après préparer ces thèmes pendant 10 minutes. Quand les 10 minutes sont terminées, l'évaluateur va vous demander de venir avec lui et l'examen va commencer par la première partie. On vous montre comment ça se passe pour choisir les thèmes de la deuxième et troisième partie. Bonjour. Alors, donc pour l'examen du A1, ça se passe en trois parties, d'accord? D'accord. Bien, la première partie, je vais vous faire des questions personnelles. Dans la deuxième partie, vous allez me faire des questions sur ces thèmes. Mm-hmm. Et dans la troisième partie, nous allons travailler le dialogue, l'interaction, d'accord? D'accord. Ça va? Ça. On commence? Oui. Parfait, super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez? Je m'appelle Marisol. D'accord. Marisol, vous pouvez me présenter votre famille? Oui, j'ai une mère qui s'appelle Maria Luisa. J'ai un père qui s'appelle Ramon. D'accord. Et un frère qui s'appelle Carlos. D'accord. Et vous avez un animal de compagnie? Non. Pas de chien, pas de chat? Pas du tout. Ok, d'accord. Et dites-moi, le week-end, quelle activité vous aimez faire? J'aime beaucoup sortir avec les amis et manger dehors au restaurant. Aller au parc aussi. D'accord. Et quel type de nourriture vous préférez? J'aime la viande. Et j'aime les
les plats asiatiques. D'accord. Bien, ben, on a terminé la première partie de l'examen, d'accord? Oui, bien. Très bien. Alors maintenant, c'est à vous de me faire des questions sur ces thèmes. Ok. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, j'aime les animaux, mais je n'ai pas d'animaux. Ok. Quelle est votre nationalité? Je suis français. Très bien. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais beaucoup de sport au gymnase et aussi des sports extrêmes comme du surf et du skate. Très bien. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Bien. Quel type de film vous aimez? J'aime beaucoup les films d'action et de science-fiction. Super. Est-ce que vous aimez aller au restaurant? Oui, j'adore aller au restaurant avec ma femme ou avec mes amis. Bien, très bien. Moi aussi. Ok. Nous avons terminé la deuxième partie. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, le dialogue. Je peux prendre le papier? Oui. Donc, la situation. Nous sommes dans un magasin de souvenirs en France. Vous êtes en vacances en Bretagne et vous achetez des cadeaux pour vos amis. Vous vous renseignez sur les articles, vous choisissez et vous payez. Moi, je joue le rôle du vendeur, d'accord? Donc ici, c'est une situation formelle. On doit se dire « vous ». Okay. Ça, c'est compris? Oui. Bien, c'est moi qui commence à parler. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, merci. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse? Et je vais acheter quelques souvenirs. Mmh. Et je suis intéressée dans un t-shirt. Ah, d'accord. La marinière, c'est le t-shirt très français. Autre chose? Oui, et aussi je vais acheter les biscuits. D'accord, très bien. Ah oui, ce sont des biscuits typiques de la région. Ce sont des sablés. Ah, très bien. Et est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte? Mmh, bien sûr. Le total? Le total? Alors, la marinière, c'est 25 euros. Okay. Et les sablés, 10 euros. Le total, ça vous fait 35 euros. Ah, très bien. D'accord. Vous les prenez? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Très je bien. Les prends. Vous payez comment? Je paye avec la carte. D'accord, très bien. Vous pouvez me donner votre carte? Oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant, voici votre ticket et vos articles. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Et voilà, c'est terminé. On espère que cet exemple de production orale vous a plu. Dans le futur, nous allons mettre plus d'exemples du niveau A1, du niveau A2, B1 jusqu'au niveau C2 pour vous aider à réussir cette épreuve de l'examen du DELF. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour recevoir toutes ces vidéos et apprendre tous les jours. Une vidéo en ligne tous les jours de la semaine. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain. Ciao, ciao !